Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au JT des JT de ce dimanche 3 septembre. Le sommaire. Bonne nouvelle pour les ressortissants chinois. À la foire internationale du commerce des services de Chine, le chef de l'État béninois Patrice Talon a annoncé samedi 2 septembre à Beijing la suppression des visas à tous les Chinois. Des milliers de Nigériens exigent le départ de l'armée française. Ils l'ont fait savoir samedi 2 septembre à travers une manifestation. La 50e édition du championnat du monde de pétanque a lieu dans quelques jours au Bénin pour s'assurer de l'évolution des préparatifs de cet inédit fait. Dans l'histoire sportive du Bénin, le ministre Osvaldo Meki, en charge des sports, s'est rendu sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou, site apprêté pour l'événement jeudi dernier. Le point dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromédé, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Infoline. ESAE Gbedjromédé, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa. Au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi. Au plus 229 52 88 44 44 Parakou. Au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a annoncé samedi 2 septembre à Beijing la suppression totale des visas pour les Chinois. Patrice Talon entend à travers cette décision promouvoir les échanges et les investissements. Il estime que cette promotion demande libre circulation des personnes. Le président Patrice Talon a rappelé que depuis 2016 et la mise en place du e-visa au Bénin, son gouvernement a largement simplifié le processus de délivrance de visa. Le président béninois, il faut le préciser, en déplacement depuis jeudi 31 août dernier en Chine. L'objectif de cette visite d'État, selon la présidence du Bénin, est de renforcer la coopération entre Cotonou et Pékin. Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, s'est entretenu avec les professionnels des médias le 25 août dernier au cours d'un dîner de presse qui vise à redynamiser les relations entre les deux parties. À l'occasion, il a présenté le chef de cellule de son cabinet. Également l'occasion pour lui de faire le bilan des activités menées par le Parlement au titre du premier trimestre. Reportage ETL Bénin. Réuni autour d'un dîner, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, présente les membres de la cellule de communication de son cabinet à la presse. Mon cabinet a été élargi à un responsable qui porte désormais la parole du président de l'Assemblée nationale. C'est votre collègue Vitali Botton qui est désormais le chef de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale. Alors, il a été secondé par un adjoint. Voilà, donc c'est les deux qui sont désormais, qui forment désormais une équipe et qui portent ma parole. Et ça, c'était nécessaire.
La composition de ce bureau tient compte des dispositions de la décision portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet du président de l'Assemblée nationale et du secrétariat général administratif. C'est aussi l'un des fruits des réformes initiées par le président Louis Vlavonou en vue de moderniser le Parlement béninois. C'était nécessaire parce que la composition de l'Assemblée aujourd'hui n'est plus celle qui était à la 8e législature. Donc, que ce soit les dîners de presse ou les conférences de presse, c'est le porte-parole ou bien le directeur de la communication ou bien, si vous voulez, le chef cellule pour être précis de la communication du PAN. C'est de ça qu'il s'agit désormais, et non du porte-parole de l'Assemblée nationale. Le bilan des activités menées par le Parlement au titre du premier trimestre est présenté par le chef de la cellule de communication, porte-parole du président Vitali Boton. Pour ce qui est de la première session ordinaire, l'Assemblée nationale a tenu 9 séances plénières au cours desquelles elle a examiné plusieurs dossiers. Ces dossiers peuvent être subdivisés en 3 volets distincts. Nous avons la production législative, le contrôle de l'action gouvernementale et les autres activités de l'Assemblée nationale. Le bilan de la deuxième session extraordinaire de l'année 2023, il faut dire que l'Assemblée nationale a tenu cette session du 17 au 19 juillet 2023. Au cours de la session, les députés ont tenu 2 séances plénières. Ces séances ont été dédiées à la continuation de la nomination des représentants de l'Assemblée nationale au sein des parlements régionaux et des institutions de la République, ainsi qu'à l'élection des secrétaires des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. L'élaboration de la politique de communication et de promotion de l'image du président de l'Assemblée nationale, la promotion de la présence du président de l'Assemblée nationale sur tous les supports médias et la préparation de l'animation des prises de parole du président sont entre autres les missions de sa nouvelle cellule de communication. Dans le cadre de son projet Benkadi, la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, PACIB organise du 29 au 31 août un atelier de renforcement de capacité des cadres techniques des ministères, maires et organisations de la société civile sur la gouvernance participative des changements climatiques au Bénin à grand propos. Cet atelier a eu pour but de permettre à tous les acteurs d'être mieux aguerris pour la lutte efficace contre le changement climatique. Reportage de la cérémonie d'ouverture avec ESAE TV. Œuvrer de façon efficace pour la lutte contre le changement climatique, c'est l'objectif qui a réuni les cadres techniques des ministères, les maires et les organisations de la société civile à cet atelier d'échange et de renforcement de capacités sur la gouvernance participative des changements climatiques au Bénin. Initié par PACIB dans le cadre du projet Benkadi, cet atelier a plusieurs attentes. Il est attendu de vos travaux. 1. De renforcer la capacité des acteurs de développement, maires, préfets, cadres techniques et départementaux, ainsi que les acteurs de la société civile, sur les instruments juridiques et institutionnels de gestion du changement climatique, afin de les analyser ou identifier les éventuelles insuffisances et ou les mises à jour nécessaires à opérer. Tirer les enseignements des expériences des acteurs de développement en matière de gouvernance participative, de leadership, et de redevabilité dans le domaine de l'animation des cadres de concertation et du dialogue multi-acteurs. Prioriser les actions concrètes à mener en matière de gouvernance participative et de dialogue multi-acteurs pour la dynamisation des cadres de concertation de gestion des changements climatiques et des ressources en eau, du niveau national au niveau local, en passant par le niveau déconcentré.
Recevant cet atelier qui va durer 2 jours dans sa ville, le maire de Grand Popo n'a pas manqué d'exprimer son satisfaction. La thématique qui nous mobilise ici enregistre pour le compte de Grand Popo plus de 4 acteurs clés, mais chacun avait son style. Je voudrais bien, par ce biais, nous inviter également ces acteurs à pouvoir nous aider à aller au concret. Une étape que nous organisons un jour, une assise, pour mieux se partager les plages d'intervention dans notre espace. Le chef projet Ben Kadi a quant à lui exhorté l'Assemblée à profiter des fruits de cet atelier. Je vous exhorte à partir de nos riches expériences de gestion participative, d'animation des creusets de dialogue multi-acteurs pour identifier et retenir les actions concrètes devant renforcer et dynamiser les cadres institutionnels de gestion des changements climatiques au niveau communal, départemental, national et sectoriel. L'atelier d'échange et de renforcement des capacités des cadres techniques des ministères, des maires et des organisations de la société civile sur la gouvernance participative des changements climatiques au Bénin se poursuit et va prendre fin le jeudi 31 août 2023. Du mardi 29 au mercredi 30 août, s'est tenu un atelier sur les difficultés qui freinent les radios rurales locales au Bénin. Occasion pour définir les pistes de solutions en vue de la sortie des sentiers battus initiés par la HAC, ce financement de la coopération suisse. Les travaux ont été lancés par le président de la HAC, Rémi Prosper Moriti, en présence de la chef de la coopération internationale de Suisse au Bénin, ETLE Bénin. Nous voulons un avenir radieux pour les radios rurales locales. Faire un diagnostic approfondi du fonctionnement des radios rurales locales et réfléchir sur leur avenir au regard des enjeux et rôles que jouent ces stations dans le développement à la base, c'est la problématique de ce conclave de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication en partenariat avec la Suisse. Avec les radios rurales locales, l'exercice du droit à l'information et à la liberté d'expression des membres des communautés interdépendantes. Cet atelier nous permettra de proposer des approches de solutions pour vous remettre à flot, afin que votre dévouement à l'endroit des communautés ne s'estompe jamais. Un séminaire important et de haut niveau pour la suivi des radios rurales locales, rendu possible grâce à l'accompagnement de la coopération internationale entre la Suisse et le Bénin. Les différents acteurs devraient se retrouver afin de réfléchir sur d'éventuelles pistes de solutions pour permettre aux dites radios de sortir des sentiers battus et de jouer efficacement le rôle qui est le leur au sein de nos communautés. Moyens de communication de masse privilégiés et adoptés par les communautés rurales, les radios locales font face à d'énormes difficultés, que ce soit du point de vue technique que financier, à en croire le vice-président de la HAC. Les radios locales sont les voix authentiques des populations, reflétant leur culture, leurs préoccupations, leurs besoins et également leur réussite. La Suisse reste engagée aux côtés du gouvernement et des institutions et des acteurs pour un meilleur devenir des radios locales. Ce séminaire de réflexion sur l'avenir des radios rurales locales de 48 heures permettra de ressortir des résolutions et recommandations concluantes pouvant booster de nouveaux rythmes de fonctionnement à ces stations de radio. Le séminaire d'adoption des réformes du Conseil national de l'éducation qui s'est tenu mercredi 30 août dernier a pris fin. Réuni à Cotonou en atelier de méthodologie de la réforme sur la qualité, les membres du dit conseil ont entre autres adopté la feuille de route intégrée qui valorise la pédagogie, approche par compétences comme méthodologique d'enseignement. Et de Télé Bénin pour le reportage.
Séance de sensibilisation au profit du personnel du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et des professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Trois thèmes ont meublé les échanges de cette session de travail. Le premier aborde la vulgarisation des tests de protection et de promotion des droits des personnes handicapées. Le deuxième porte sur les dispositions de la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation de sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin. Le troisième, sur l'accueil et l'hygiène dans les établissements hôteliers. Nous avons choisi le thème lié à l'utilisation des sachets non biodégradables, tout simplement parce que on ne souhaiterait pas que les responsables hôteliers subissent la rigueur de la loi. Parce qu'une loi qui est votée, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Donc par rapport à ça, nous nous sommes dit qu'il faut quand même essayer de les sensibiliser en ce qui concerne les articles de la loi, pour ne pas que demain, ils reçoivent la visite du ministère des cadres de vie ou de la police républicaine. Et en ce qui concerne l'hygiène, ben, vous n'êtes pas resté sans savoir que toute personne qui rentre dans le Bénin, un touriste qui rentre dans le Bénin, sa santé est sous la responsabilité de l'État. Donc on ne peut pas permettre qu'ils aillent dans un établissement hôtelier et qu'ils soient mal nourris et qu'ils soient mal accueillis. S'ils sont mal accueillis, demain, ils ne viendront plus au Bénin, ils vont aller ailleurs. Donc c'est pour prévenir tout cela que nous avons également développé le thème lié à l'hygiène et à l'accueil au sein des établissements hôteliers. On a souvent l'habitude de marginaliser ceux-là qui ne sont pas comme nous, ceux-là qui ont d'handicap. En ce qui concerne les promoteurs hôteliers, nous sommes en train de les sensibiliser d'abord en ce qui concerne ces tests et leur dire que ces personnes sont les mêmes que nous et que nous devons les entourer de l'affection qu'il faut. On ne doit pas les marginaliser comme la loi le définit et ils doivent essayer de les accompagner. Protéger les droits des personnes handicapées est l'un des objectifs de cette séance de sensibilisation. Un pari gagné, selon la responsable genre et environnement du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, l'un des communicants de ce creuset. Je peux affirmer qu'ils ont bien compris le bien fondé d'après leur intervention à l'issue des exposés. Eux-mêmes savent que c'est des sujets d'actualité, d'ordre social et qui concernent tout le monde. Nous avons plein espoir que tout ce que nous avons dit et le changement de comportement qui est souhaité, que ça se voit dans les tout prochains jours au niveau de ces acteurs. Aux promoteurs, professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, nous les exhortons à vraiment accompagner le gouvernement dans sa volonté de faire du secteur du tourisme un secteur vraiment structurant et en adoptant les bonnes pratiques pour vraiment révéler la destination Bénin. Les participants sont désormais plus éclairés et outillés en ce qui concerne la mise en application des différentes lois adoptées dans leur secteur d'activité. Le CEG à Plahoué a abrité samedi 24 août dernier la 9e édition de la Coordination nationale des enseignants pour la réussite de l'organisation du baccalauréat Conero BAC. L'objectif de ce 9e conseil supérieur est de réfléchir sur l'organisation du BAC de l'UEMOA. Le point avec ETL Bénin. Ils se retrouvent une fois encore pour la réunion statutaire à ce 9e conseil supérieur de la coordination. Il s'agit des membres de la coordination nationale des enseignants pour la réussite de l'organisation du baccalauréat Conero BAC. Après la présentation avec brio du rapport moral de la Conero BAC aux conseillers afin qu'ils puissent s'en servir pour redynamiser le mouvement que constitue la Conero BAC, le premier responsable du mouvement a évalué l'organisation du baccalauréat de l'année en cours, tout en faisant des propositions concrètes adressées au directeur de l'Office du baccalauréat pour l'avenir du bac. À cette occasion, ils ont mené des réflexions sur le thème « Organisation du baccalauréat de l'UEMOA Bénin, défis et perspectives ». Nous sommes encore en train de continuer à installer les bureaux du CRAC, Cercle de réflexion sur les questions éducatives, pour que notre structure ne soit pas seulement une structure qui se consacre seulement aux travaux du baccalauréat, mais une structure qui est investie dans la réflexion
prospective pour continuer à rendre notre baccalauréat plus noble, plus envié aux yeux de la sous-région. Quels sont les défis pour l'institution scolaire? Quels sont les défis qui sont les nôtres que nous devons relever pour que les différentes questions qui jonchent l'organisation, à savoir la problématique des épreuves, la problématique de la désignation des correcteurs, la problématique de du déroulement de l'organisation du baccalauréat dans la phase écrite comme dans la phase pratique, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que, effectivement, ce baccalauréat continue d'être un label dans la sous-région? Ces questions font déjà l'actualité au sein de l'Office du baccalauréat en un document directif. Explique ici le représentant du directeur de l'Office du baccalauréat. Je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait qu'en ce moment, il y a sur la table du directeur général de l'Office du baccalauréat un document important portant sur l'organisation du bac UMOA et qui est ce qu'on appelle la directive. Il est question pour nous, en ce moment, de la transposer, c'est-à-dire l'acte législatif qui montre le schéma de l'organisation du bac dans l'espace UMOA là. Il s'agit de l'adapter à notre organisation interne. Tous les pays sont, n'est-ce pas, obligés de faire cette transposition-là. Et c'est après avoir fait cette transposition que nous allons nous organiser pour arrêter une organisation du bac UMOA par rapport, un, à ce qui concerne la problématique des épreuves qu'on appelle curricula, par rapport à la problématique des correcteurs et par rapport à la problématique du déroulement du bac lui-même. Les membres de la CONEROBAC, satisfaits des échanges de la réunion statutaire, s'expriment. Très satisfaits des différentes propositions qui ont été faites et qui seront adressées, souplies directement au directeur général de l'organisation du bac. Et comme notre contribution à l'amélioration de la qualité du bac dans le contexte UMOA. Nous voudrions donc souhaiter que chaque année, l'Office puisse continuer d'associer les partenaires sociaux que nous sommes afin qu'ensemble, nous puissions d'année en année et renforcer la qualité de notre baccalauréat qui fait la fierté du peuple béninois. Un bilan satisfaisant, de nouveaux défis et perspectives sont attendus pour un avenir du baccalauréat de l'UMOA au Bénin. À la demande des familles Bankole, Aïtchédi et 12 autres qui se prévalent d'un droit de propriété sur un domaine situé à Tankwe, dans la commune d'Abomey-Calavi, une opération de déguerpissement a été menée il y a quelques jours. Plusieurs habitants se sont vus délogés et impuissants face à l'huissier de justice et des hommes en uniforme présents sur les lieux. Plongés dans une profonde détresse, les habitants contraints à dormir à la belle étoile ont lancé un appel aux autorités étatiques. Un reportage de ETL. Désolation, tristesse, pleurs, anxiété, angoisse, c'est ce qu'on peut lire sur les visages de ces personnes qui ont reçu la visite inopinée des forces de l'ordre et d'un huissier qui ont procédé à la démolition de leur maison. Ici à Tempé, le mercredi 23 août 2023, c'est une situation entre les héritiers d'un certain feu Bankole, Félix, Meda représentant Bankole Hospice, Raoul Maquet, contre Aïtchédi Masselin et 12 autres personnes. Conscients de ce problème domanial, les nouveaux propriétaires terriens qui sont domicilés depuis une vingtaine d'années se sont constitués pour créer une association de développement de Tempé afin de mener des démarches administratives pour apporter une solution fiable à leur peine. Explique ici le président de la dite association. En 2020, donc la grosse qui est sortie, il y a un propriétaire, les anciennes disent qu'il n'a aucune parcelle, il n'a aucun domaine.
mais la grosse de 2020 a dit qu'il a un hectare et quelques. Et quand c'est comme ça, nous, les acquéreurs, on s'est dit, aidez-nous à identifier qui est sur le domaine de qui. Et on s'est rapproché de la mairie. La mairie même nous a accueillis favorablement, a convoqué tous les propriétaires terriens et nous-mêmes, parce que c'est nous qui avons écrit. Et ils ont dit, il y a une commission qu'ils ont mis en place maintenant à la mairie pour gérer ces affaires-là. Par exemple, fin juillet, vous avez envoyé le courrier, je réponds en disant, c'est chacun qui viendra pour négocier, que ce n'est pas l'association qui a acheté. On a envoyé notre avocat et dit, ça c'est vrai. Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il y a dessus? Les vieux qui ne peuvent pas aller, il faut qu'ils donnent une procuration. En tant que président, donc je suis parti, le procureur même de Calavie, il nous a même dit, mais il faut envoyer vos courriers aux propriétaires, parce que c'est eux qui choisissent l'huissier. La dernière date où on est parti le voir pour lui faire le point que nous sommes dans le processus, c'est le 18 juillet à 17h, pour lui dire merci, on est dans le processus. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on fait tout ça et puis on a un programme de venir casser? Et s'il y avait une semaine, ils ont dit, maintenant on doit casser. Les gens vont leur dire, mais il faut faire sortir vos choses pour récupérer, ceux qui vont enlever, peut-être ces fenêtres vont enlever. C'était la surprise. À travers le communiqué numéro 07120 du procureur de la République du premier instance d'Abomey-Calavie, Aubert Kodjo, il est précisé qu'il s'agit en effet de l'exécution de la grosse de l'arrêté contradictoire numéro 120/20 rendu par la deuxième chambre de droit de propriété foncière de la Cour d'appel de Cotonou le 11 août 2020, relativement à l'affaire héritier de feu Bankole Félix Méda, représentant Bankole Hospice Raoul Maquet, contre Aïtchédi Masseline et 12 autres personnes. Malgré les dispositions prises, les occupants en méconnaissance de la procédure se sont abstenus de s'exécuter. Conséquence, plusieurs ménages se voient démolis face à la décision des autorités compétentes, conduisant ces victimes dans un désarroi. Ces derniers plaident pour un soutien social. Ils ont cassé ma maison, j'ai des trucs importants dedans, ils ne m'ont même pas laissé le temps de les ramasser. Je me demande si je suis béninois. Fidèle, ton signe, le bouton, à ma sortie de ma chambre, je me suis retrouvée face aux forces de l'ordre. Je les ai suppliés à genoux de me permettre de ramasser mes bagages. Ils se sont opposés. Je me suis mise à hurler au secours. J'invite les autorités à nous soutenir et à venir en aide. Nous sommes sans abri. Les enfants sont là. Il y a l'école maintenant là, c'est proche. On ne sait pas là où se coucher maintenant. Il y a là, nous sommes en période de pluie. Ce qui est ici maintenant là, les pleurs ne peuvent rien. On invite les autorités à venir nous aider. Ils ont cassé déjà, nous sommes d'accord. Mais il faut que les autorités viennent nous aider pour qu'ils ne viennent pas prendre encore nos parcelles. Il faut rappeler que le paquet d'Abomey-Calavie invite les autres personnes concernées par cette décision à se conformer aux dispositions du Code foncier et domanial en vigueur en République du Bénin. Le gouvernement n'a pas augmenté le prix de cession du gaz domestique. En effet, le gaz domestique a augmenté de prix dans plusieurs zones du Bénin depuis plusieurs jours déjà. Mardi 29 août dernier, une équipe de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Jouet des Collines a sillonné plusieurs points de vente pour le contrôle. Voici le reportage. Des centres de la directrice départementale de l'industrie et du commerce du Zou et des Collines dans les marchés de Boïcon et d'Abomey. Le contrôle du prix de cession du kilogramme de gaz à usage domestique est la raison principale de cette sortie de l'autorité. Depuis quelques jours, des fournisseurs sans raison apparente augmentent le prix de vente de ce produit. Le ministère en charge du commerce a constaté
une augmentation des prix illicitement au niveau des fournisseurs et du gaz spécialement. Et c'est dans ce cadre que depuis le vendredi passé, il y a un communiqué qui est en train d'être passé, que ce soit à la télé ou à la radio, pour exhorter les populations à connaître d'un premier temps le prix et aussi les fournisseurs à revendre le produit aux clients au prix fixé par le gouvernement. Une quinzaine de points de vente est parcourue par la délégation de la responsable de l'industrie et du commerce pour se rassurer du respect du prix normal fixé par le gouvernement. Les contrevenants sont interpellés et convoqués à la direction. Ici, nous vendons uniquement le gaz au risque. C'est uniquement au risque que nous vendons. Maintenant, la petite bouteille de 6 kg, nous la vendons à 4 770 francs CFA. La grande bouteille de 12 kg, on les vend à 9 940 francs. On n'a pas augmenté. Et d'ailleurs, nous sommes des vendeurs agréés, des revendeurs agréés plutôt. Donc, on n'a pas augmenté le prix. Mon équipe et moi avions parcouru une quinzaine de boutiques de revendeurs de produits gaz. Et nous avons remarqué que quelques-uns sont en hausse de prix par rapport au prix qui est fixé par le gouvernement. Ces derniers ont été interpellés, convoqués. Et ils passeront après à la direction. Cela doit être clair pour les consommateurs. Le gouvernement n'a pas augmenté le prix du gaz, comme le font croire certains fournisseurs. Aujourd'hui, le prix du gaz est fixé et connu de tous. La petite bouteille à 4 770, la grande bouteille de 12 kg est à 9 940 francs. Donc, chaque acheteur en allant sache que on ne doit pas lui vendre le produit au-delà de ce prix-là. Aux fournisseurs, nous les exhortons de respecter le prix fixé par le gouvernement. Halte donc à la surenchère. Les fournisseurs sont appelés à respecter le prix plafond fixé par le gouvernement, sans quoi ils verraient leur boutique fermée. Quelques mois après le contrôle des systèmes de distribution d'hydrocarbures, une équipe de l'Agence de normalisation et de métrologie et du contrôle qualité a effectué un contrôle inopiné à Cotonou vendredi 25 août dernier. Cette fois-ci, il était question de vérifier les balances utilisées dans les transactions commerciales afin de permettre aux consommateurs un accès équitable de produits. Retour sur cette opération suivie par ETL Bénin. Elle s'intéresse aux balances utilisées dans les transactions commerciales. Il s'agit d'une équipe de l'Agence nationale de normalisation et du contrôle qualité. Objectif, favoriser aux consommateurs un accès équitable des produits. Première descente, le centre commercial de Fidrossé. Cette visite inopinée rentre dans le cadre de la surveillance des instruments de mesure que nous avions entamés. Ça fait un certain nombre de jours. En temps, on était sur les distributeurs, mais aujourd'hui, nous sommes sur les balances qui sont utilisées dans le commerce. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Vous aurez constaté que nous avons devant nous des poids, qu'on appelle généralement masse, dont les valeurs sont connues à l'avance. Ce contrôle inopiné ne joue pas uniquement en faveur des consommateurs. Il permet également aux promoteurs des centres commerciaux de gagner la confiance de leurs cibles et de les fidéliser. Notre souci, c'est que et le consommateur et le vendeur, il faudrait qu'il y ait équité entre les deux. Cette opération est une action du gouvernement qu'encouragent les consommateurs et vendeurs. Vraiment, l'agence de normalisation de la métrologie et du contrôle qualité, si cette agence n'existait pas, il fallait la créer. Nous disons vraiment un grand merci au gouvernement qui a passé à renforcer les pouvoirs de l'agence, puisque c'est une agence qui agissait, qui a été renforcée. Et nos balances, dès qu'elles sont acquises, sont soumises à l'agence qui contrôle et qui nous donne le sceau. C'est une très bonne action de vouloir vérifier le marché déjà et comment ça se passe sur le marché. Puisqu'on a constaté que sur beaucoup d'autres marchés déjà, après le contrôle, il y avait de fausses balances, il y avait des viandes déjà de mauvaise qualité. Mais ce contrôle de la NM montre que l'État se soucie vraiment des consommateurs. Il faut retenir que sur les balances conformes sont apposées une vignette de couleur verte, tandis que celles non conformes sont marquées par une vignette de couleur rouge. Pour la plupart des machines, aucune inconformité n'est observée.
Après le centre commercial de Fidjrossé, l'ANM poursuit son opération dans les autres centres commerciaux de la ville. Du 8 au 17 septembre prochain, le Bénin abrite la 50e édition du championnat mondial de pétanque. À quelques jours du démarrage, le ministre béninois des Sports a visité le site aménagé pour l'occasion. Au terme de cette visite, Oswald Omeki s'est dit satisfait de l'évolution des préparatifs. Plus de précisions dans cet élément signé ESAE TV. Deux tribunes de 2036 places chacune, des aires de jeu et d'entraînement, des tentes au profit du corps arbitral, un cadre construit pour les agents de sécurité, puis un dispositif de vidéosurveillance. C'est le visage du boulodrome dressé derrière la statue de l'Amazone pour abriter les 50e mondiaux de pétanque. À quelques jours du coup d'envoi, le ministre des Sports Oswald Omeki, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux ce jeudi 31 août 2023 pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Nous avons fini de préparer les infrastructures et toutes les commodités pour recevoir sont déjà apprêtées. Et la sécurité est de mise. Aujourd'hui, on est fin prêt. Le gouvernement a joué sa partition et la fête sera très très belle. Occasion pour le ministre d'exprimer son satisfaction pour le travail abattu. C'est un honneur pour nous d'accueillir ces championnats du monde de pétanque. Le chef de l'État a voulu que cet événement se déroule ici même. Sur l'espace attenant à l'esplanade de l'Amazone qui aujourd'hui est devenu un des monuments qui font la fierté de notre pays. Nous avons conçu un plan d'aménagement du site et vous le voyez vous-même aujourd'hui, ce que nous avons prévu de faire sur les plans n'est pas une maquette, ça a été réalisé. Et aujourd'hui, ce terrain est prêt pour accueillir toutes les compétitions. Et vraiment, c'est l'occasion de féliciter toutes les équipes qui ont travaillé, les différentes entreprises, les équipes techniques. Féliciter le comité d'organisation pour tout le travail qui a été accompli depuis plusieurs mois. Et dire que ceci est le nouveau visage du Bénin. C'est désormais ainsi que nous voulons nous montrer, nous révéler au monde. Nous voulons concevoir de belles choses et nous voulons surtout les réaliser avec méthode. Un appel est lancé à l'endroit de toute la communauté béninoise pour assister à cette activité mondiale. Nous demandons au peuple béninois de soutenir cette compétition par leur présence. Parce qu'en fait, c'est la première compétition mondiale que le Bénin organise. Que personne ne se fasse raconter l'événement. Surtout que le gouvernement a déclaré la compétition entièrement gratuite. Les badges que nous donnons, c'est juste pour le contrôle. Cotonou est totalement prêt pour accueillir la fête et les guépards s'activent déjà à 2 semaines du démarrage de la compétition pour s'illustrer parmi les meilleurs et tenir son rang. Place au son des boules qui s'entrechoquent. Lancée le samedi 19 août, l'édition 2023 du Festival Sport, Culture et Arts Nautiques a pris fin. Le 26 août dernier, initié par l'association Ganvier Sport Nautique, la cérémonie de clôture s'est déroulée à la place Socomé de Ganvier, ce en présence des autorités communales et de plusieurs invités de marque. Suivez le retour sur la cérémonie avec ETELI. Une 3e édition riche en couleurs, en animation et en compétition de divertissement. C'est ce à quoi ont eu droit les populations autochtones de la cité lacustre de Ganvier, mais aussi les nombreux touristes nationaux et internationaux qui ont assisté à cette édition 2023 du Festival Sport, Culture et Nautique de Ganvier qui a sa clôture. Dans le rang des organisateurs, c'est un pari réussi qui rime avec fierté et satisfaction. On peut dire que les objectifs sont atteints à 100%, même si nous ne sommes pas encore véritablement au bout de ce que nous, on aurait souhaité. Pour le public, vous avez constaté avec nous que c'est l'extase totale. Ben, ce que nous avons fait jusque-là, c'est essentiellement avec le soutien de quelques amis. On va continuer de travailler pour que les années à venir, le gouvernement puisse vraiment tourner son regard vers nous. Aujourd'hui, nous avons connu la participation du Fonds pour le développement des activités de la jeunesse qui était venu voir ce que nous sommes en train de faire. Et on pense que les années à venir, nous aurons
de plus beaux spectacles pour la population de la commune de Soava et pour le Bénin en général. Pour le secrétaire général, ces motifs de satisfaction sont favorisés en partie par la forte potentialité dont regorge la cité lacustre de Grandvilliers et dont il faut toujours ressortir le mérite. Pour l'édition de cette année, il y a eu tellement d'innovations et d'innovations qui nous poussent d'ailleurs à encore donner pour les éditions à venir beaucoup plus de contenu en termes de culture. Quand nous prenons l'édition de cette année, il y a à travers nos divinités que nous adorons ici, il y a le Sakpata, le Gou. C'est le moment de faire ressortir ces divinités où il y a eu des générations qui n'ont pas eu la chance de savoir il y a 10 ans, peut-être 20 ans, 30 ans, que ce village avait ses potentialités. Et tout ce qui est caché comme activité, comme acte que nous posons ici, c'est le moment de les faire ressortir. Les satisfactions, elles sont très énormes. Cette troisième édition terminée en pompe avec différents challenges tels que les courses d'aviron, des concours de danse et de natation, les regards sont désormais fixés sur l'édition prochaine qui s'annonce être riche en innovations. L'année prochaine, nous aurons une fois sur l'eau tout ce que nous avons. Ce ne serait plus que les richesses lacustres, mais les richesses du Bénin, de tout le Bénin, qu'on va exposer sous ces stands-là pendant au moins 2 mois pour que les touristes qui visitent Grandvilliers pendant cette période-là puissent avoir la chance de découvrir tout ce que le Bénin a de plus cher du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons des athlètes qui participent aux compétitions nationales et internationales et qui ramènent des coupes. Ils sont allés un peu partout en France, en Tunisie. Pour permettre à nos athlètes de continuer à s'améliorer, il fallait les mettre en compétition avec les autres, les gens d'autres clubs. Donc nous avons eu les autres clubs de l'Atlantique. L'année prochaine, avec l'appui de la fédération, on compte aller au-delà pour prendre d'autres départements. En 3 éditions, le Festival Culture, Sport et Arts Nautiques a eu le mérite de révéler plusieurs athlètes d'aviron qui ont réussi à hisser au plus haut le drapeau béninois lors des compétitions internationales, comme ce fut le cas il y a quelques mois en Tunisie et en France. Les Amazones d'Abomey remportent la 8e édition des Olympiades Buntu qui a connu son épilogue samedi 26 août 2023. La phase finale qui s'est déroulée sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié de Cotonou est une initiative de l'association Buntu Sport ABS de Monique Doubadji. Retour sur la dernière journée de l'édition 2023. Buntu est... Zango est, la femme est, l'homme est. Applaudissez pour vous-même les filles. Fin des différentes activités entrant dans le cadre de la 8e édition des Olympiades Buntu. 12 équipes au total ont participé à cette compétition. Il s'agit des équipes Baobab, Amazon, Scorpion, Caméléon, Hirondelle, Kappa Girl, Dragon, Best Team, Sagesse, Éclaireur, Tigresse et Espoir. Faire connaître le Buntu Sport à l'international, c'est ce que vise la promotrice de cette discipline sportive. Le Buntu est déjà dans la sous-région. Aujourd'hui, le Buntu se joue également en France. Je suis très émue de voir nos filles jouer dans une bonne ambiance. Très, très émue et très contente. Cela nous procure de la joie, de la détermination pour que cette discipline soit l'une des disciplines par laquelle le Bénin rayonne dans le monde et ceci dans un futur très proche. Il faut que les Buntu deviennent un sport à l'international. Et je crois que c'est à force de l'aider, de l'accompagner et de la soutenir que nous allons former des équipes bien portantes. Cette finale oppose les Amazones d'Abomey et les Éclaireurs de Cotonou. Les capitaines des 2 équipes finalistes n'ont pas manqué de s'exprimer. Proche, c'est le sentiment de joie car mon équipe a gagné. On a suivi les conseils de notre coach. On était sûr de gagner. En venant, j'étais sûr que notre équipe va gagner. L'année prochaine, on va faire tout possible pour encore gagner. Nous ne sommes pas découragés. Au contraire, nous sommes heureuses. Parce que ça fait depuis plus de 8 ans. Nous avons compétit et obtenu cette place. Nous allons nous améliorer et peut-être l'année prochaine, nous allons occuper la première place. Notons que les handicapables buntouristes en situation de handicap ont révélé leur talent dans un match d'exhibition face à une sélection de jeunes filles avec un score de parité.
Au Niger, deuxième journée de manifestation samedi 2 septembre pour réclamer le départ de l'armée française. Plusieurs milliers de manifestants ont répondu à l'appel du M62, une coalition d'organisations de la société civile qui soutiennent le coup d'État militaire du 26 juillet dernier et qui exige le départ des soldats français du pays. Des rassemblements étaient organisés à Wallam, dans le sud-ouest et surtout à Niamey. Aucun incident, mais les images diffusées par les médias nigériens ou par les manifestants eux-mêmes sur les réseaux sociaux montrent que les forces de l'ordre ont parfois eu du mal à contenir la foule et à empêcher les manifestants d'entrer dans la base militaire. Au début du mois, la junte qui a pris le pouvoir au Niger a dénoncé les accords de défense sur le stationnement et sur le statut des soldats français. Près de 1500 dans le pays, les soldats français étaient avant le coup d'État engagé aux côtés des forces nigériennes contre les djihadistes d'Al-Qaïda et du groupe d'État islamique. Mais les militaires du CNSP n'en veulent plus. De son côté, Paris maintient jusqu'ici une position de fermeté. La France ne reconnaît pas le CNSP. Autre actualité hors du Bénin, au Gabon, le président de la transition était samedi avec les hommes de la presse dans le cadre de la poursuite de sa série de prises de contact. Pour cette première rencontre avec la presse, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est dit prêt à faciliter le travail des journalistes parfois difficiles sur le gouvernement déchu. Il a rappelé qu'une de ses premières mesures a été le rétablissement de RFI, TV5 et France 24, coupés par le régime Bongo. Profitant de l'occasion, le général Oligui Nguema a donné son avis sur le débat concernant la reprise du processus électoral interrompu ou l'organisation de nouvelles élections. Pour nous, l'élection est dissoute. Elle est dissoute parce qu'elle était pipée, a-t-il déclaré. Il faut noter que le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI a décidé avec effet immédiat de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à compter d'hier samedi. Elles étaient fermées depuis le coup d'État qui a chassé du pouvoir Ali Bongo qui dirigeait le pays depuis 14 ans. Une dernière information internationale pour finir. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a suspendu sa grève de la faim, selon un porte-parole de son parti, samedi 2 septembre. Ousmane Sonko, condamné au mois de juin pour corruption de la jeunesse et également poursuivi, entre autres, pour appel à l'insurrection, a annoncé avoir entamé une grève de faim le 30 juillet, pour protester contre ses conditions de détention. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour l'inter de ce JT des JT. Ainsi prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.